Ok. Ça y est, il est en route. C'est marrant, ça. Le pollen, en fait, il y a du pollen jaune, normal, du pollen un peu plus marron et du pollen violet. Violet dedans, oui. Ouais, je sais pas, ça va être la lavande, je sais pas ce qu'elles ont récupéré. Je sais pas, il suffit qu'il y ait un pied à côté dans un jardin. Oui, il y en a un petit peu là derrière, mais peut-être pas en quantité pour faire tout ça quand même. Elles mettent combien de temps pour faire une ruche comme ça? En pleine saison, quand ça booste bien, elles doivent mettre un mois et demi. Ah, ça va vite. Oui, ça va vite. Mais là, on voit que c'est pas vieux. Hein. Ah ouais, la pauvre. Attendez, je vais l'enlever. Oh, punaise, de toute façon, elle va mourir. Hein. Non, c'est pas dit. Oh, si, si. Là, elle peut-être pas. Si, je vais le couper un peu. Ah, faut que elle est en train de se noyer. Si elle arrive à se nettoyer. Ouais. Toi, c'est pareil. Allez, oh, il ne reste plus qu'un moment où la porte. Tu me passes un autre cœur ouvert, s'il te plaît. Ouais. Le rebord de la fenêtre, c'est le miel. Regarde dedans, il y a plein d'œufs. C'est quel est mon pomme, monsieur? C'est le couvain. Où tu vois? Ah oui, je ne l'avais pas vu. Alors regardez, vous allez voir, là il y a des tout petits œufs. Là, ça fait très peu de temps. Ça va faire un jour ou deux qu'elle les a pondus. Ah, et là, en fait, alors je vais vous montrer. Et là, ça fait un peu plus longtemps, mais d'accord. Alors, ce qui est important d'abord, c'est de récupérer les larves. Ouais. Pourquoi c'est important de récupérer les œufs? C'est de là que si je tue la reine, c'est de ça qu'elles vont refaire une reine. Ah oui. Donc si j'arrive pas à récupérer la reine, si je la tue. Mais la reine, à mon avis, elle est dans le tas de... en bas à droite. Hein. Oui, à droite. Elle est là au milieu. Ouais. Ou à gauche contre le mur là-bas. Ouais. Et pourquoi elle se serait séparée en deux? À droite, moi, il y a beaucoup plus de population. J'ai l'impression qu'il y a plus de population à droite. C'est bon. Et là, c'est la fumée qui est là. Ouais. Il y a la fumée qui en continue dessous. Comme ça, elle m'embête pas et j'en suis loin. Ouais, c'est pas fait. Est-ce qu'on a beau y aller avec le maximum de minutie, comment tu peux dire? Ouais, mais c'est pareil. Déjà, quand on ouvre la ruche, avec le, quand c'est collé à la propolis, ouais, c'est hyper costaud. Hein. Ouais, donc on en écrase forcément en décollant. Automatiquement, on en tue toujours. Et en remettant souvent. Tu m'en ouvres un ou deux autres cadres? Oui. C'est vrai que c'est vachement plus pratique à deux quand même. Hein. Ah, c'est clair. Fais attention de pas marcher sur votre appareil photo. Je viens de faire tu vas te faire manger.
Ouais, elle transite à droite maintenant, vous voyez. Donc le mur en haut. Ouais, à mon avis, la reine est à droite. Hein. Ouais, oui. Des chances, ouais. Il y a plein d'abeilles derrière. Hein. Oh, c'est pas grave, on va les remettre avec. Ouais. Peut-être une attaque, peut-être une. Juste le mur, ouais, voilà. Les vivants, c'est le vivant, c'est ça, c'est... T'as vu, on dirait qu'elles ont fermé et que ça a déjà passé, que ça s'est ouvert. Comment c'est qu'elles sont pas en sortie, mais... Non, t'as vu, ça clope. Il va pas jusqu'au bout, celui-ci. Bah... Je fais ça sur le terrain. À la base, il est fait un super fou. C'est sérieux ça? Ça fait un mismac là? Non? Non? Ça a l'air d'être génial, hein. En bas, il n'y a rien. Ah ouais. Tu peux me passer le cadre, tu peux m'en refaire un parce que. Ouais. Je vais mettre le télé. Ah Il y a 3 œufs, on ne sait pas. Mais si je faisais tous comme ça tout le temps, mais c'est très top, hein, parce que pour moi aussi, hein. Ah ouais, là c'est du plaisir. Là, je suis vraiment à l'aise, hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle vous pique pas ni rien. Non, non, ouais. Je suis bien décontracté, il n'y a pas de soucis. Non, non, elles sont super, franchement, c'est cool. J'ai récupéré les épingles comme ça. Ouais. Donc, je vais les mettre dans le cadre. Allez, des fois, même avec la combi, on s'allumait. Hein. Ouais, ah, ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a bâti? Celle-ci? Ouais, la propre. Ouais, mais pour choper les allées? Ouais. Ah oui.
la garde en une propre pour prendre les ailes. Bon, la reine, elle doit être dedans. Avec un peu de chance, on va la récupérer. Il y a au moins 3-4 kilos d'abeilles. Ouais, ouais, elle est dedans. À mon avis, elle est dedans. Ouais, c'est clair. On a la reine. Hein. Oui, c'est ça. On va descendre le vent. Oui, c'est lourd. Hein. C'est marrant ce problème là. Tu passes la bâtisse un peu derrière. Tu le mets sur le cadre, ouais. Je sais pas si c'est bien long là, c'est bien. Encore un petit peu loin, mais un peu de. Ouais, mais c'est bien. Un peu trop loin. C'est quoi le souci, tu l'as pas récupéré? On remarque que tu peux peut-être toujours. Comment? Ce morceau là. Deux. Ouais, tu reviendras. Là, t'as vraiment pas du tout avec toi. Non. J'ai envie de pouvoir taper un peu sur la combi, mais c'est pas. Moi non. C'est pas méchant. Ouais, t'as quoi? Thank you.
sushi. Il y a un morceau de couvain, il y a du miel et du pollen. Oui, oui. Attends, le ouais, je te défais un autre cadre. Ouais, carrément. Vous voulez que j'aille fermer la fenêtre derrière, la bloquer? Non. Ouais, je veux bien. Ouais.